si on eût voulu n'avoir aucun problème, il y avait une solution, c'est de rien proposer. Ça, c'était très simple. On allait à Thoiry, dans ma circonscription, on faisait l'autruche, on mettait la tête dans le sable, et le président Macron avait un quinquennat, entre guillemets, tranquille. On aurait fait l'assurance chômage, on aurait fait le plan, la loi travail et la valeur travail. Ça, c'était très simple. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une espérance de vie supplémentaire, qu'il faut continuer à équilibrer les finances, qu'on est le pays d'Europe où ça, on travaille le moins. Mais les constats, ils sont faits, ça, on l'a dit et répété pendant des mois. C'est juste bien de le rappeler, parce que si jamais on voulait mettre la poussière sous le tapis, on ne faisait rien, on était tranquille, on essaie la note aux générations futures. Ça, c'est la première chose. Ce que je constate, et ce que Mme Rutel-Krieff disait tout à l'heure, c'est quand même que depuis 72 heures, il y a des choses qui s'accélèrent. Et moi, je note quand même qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est accéléré. Il y a un préalable, avant tout, et je voudrais vraiment insister sur ce plateau, c'est le sujet de la violence. La violence de l'ultra-gauche, des radicaux, des black blocs. Ça, c'est insupportable. Je vous fais une petite confidence, j'arrive sous protection policière sur votre plateau. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ma collègue Violette Spielboot, dans le Nord ce matin, voit son domicile emmuré de la porte d'entrée? Est-ce que c'est normal que la semaine dernière, des collègues du Modem, pareil, ont vu leur permanence saccagée? Mais justement, comment on sort de ça? C'est terrible ce que vous dites. Et là, tout le monde sera d'accord. Julien Arnaud, c'est pas la France, ça. Là, il y a un préalable. On vient sur les institutions. Ce n'est pas possible. Et je le dis. On doit avoir une concorde nationale, et j'espère que mon collègue, M. Chenu, sera d'accord avec moi, on doit avoir une concorde nationale sur l'ensemble de l'échiquier politique pour condamner ces gestes qui sont irresponsables. Parce qu'encore une fois, comment voulez-vous derrière que l'autorité de l'État ne soit pas dégradée à l'endroit des policiers, des pompiers, des enseignants, et parfois de façon dramatique, quand on laisse aller et quand on n'est pas capable même de condamner et de voir que des policiers qui sont traînés à terre, des camionnettes qui sont incendiées. On est tous d'accord là-dessus. Non mais attendez, la ficelle est absolument énorme et grotesque. Évidemment, 100% des Français sont d'accord, en tous les cas, moi je l'espère en tous les cas. Dites nous, pas grotesque parce que, monsieur, non, mais attendez, quand on est menacé, quand on voit ce qui s'est passé dans le Nord, c'est compliqué pour les collègues. La ficelle est totalement énorme et grotesque. 100% des Français... C'est pas une ficelle de dire qu'il y a des violences contre les élus. Laissez-moi terminer. 100% des Français sont d'accord pour condamner, en tous les cas, nous les responsables politiques. Pas 100%. En tous les cas, une immense majorité et les responsables politiques du Rassemblement national condamnent toutes les formes de violence. Mais vous êtes en train d'essayer de transporter le débat sur les retraites sur un débat sur les violences. Parce qu'en fait, vous avez perdu la bataille de l'opinion publique sur les retraites. Alors ça, cette ficelle-là, cette manœuvre-là, et on la voit avec les éléments de langage, vous avez tous les mêmes éléments sur les plateaux, vous n'allez pas nous la faire avaler. Les violences, elles découlent d'une situation sociale qu'a créée le président de la République. Moi, je veux bien qu'on reparle les black blocs, c'est pas de la violence sociale. Non mais nous, on condamne tout ça, on a demandé qu'on les dissolve, on a demandé, écoutez, ça fait des années qu'on le demande et que Gérald Darmanin ne fait rien sur un certain nombre de dissolutions d'associations d'extrême gauche. Mais est-ce que si vous rebougez sur la réforme des retraites, vous nous réexpliquez quel est l'équilibre financier que vous allez trouver, puisque pendant des mois, vous nous avez indiqué que ce n'était absolument pas possible de trouver un équilibre financier en dessous de 64 ans. Donc vous allez pouvoir vous nous expliquer. On n'est pas dans cette logique-là. Vous direz non, par principe. Nous, on est contre ce type de réforme parce qu'on est contre la logique qui sous-tend cette réforme-là. Donc nous, on n'ira pas soutenir une réforme pour laquelle, même si on ne croit pas. Mais parce que je veux dire, dans quelques années ou après Macron, on reviendra, ceux qui seront au pouvoir reviendront, si c'est nous, on annulera cette réforme des retraites, mais si ce sont des gens qui sont dans la même logique, eh bien, repousseront le bouchon jusqu'à 64, jusqu'à 65, parce que la même logique amène les mêmes résultats. Donc moi, je crois qu'il y a une pression tellement forte aujourd'hui sur le gouvernement, et c'est bien d'ailleurs que les Français aient réussi à faire pression sur le gouvernement pour les faire bouger, parce qu'il faut bien sortir de cette situation. C'était pas avec vous, parce que vous n'étiez pas dans les manifs. Hein. Non mais madame, si on avait été dans les manifs ce soir, vous m'auriez dit tentative de récupération du RN. On connaît tous les trucs. Quand on n'y est pas, c'est pas bien. Quand on y est, vous faites de la récup. Donc rassurez-vous, on a fait notre boulot à l'Assemblée nationale, on a défendu nos amendements, et je crois que les Français nous en sont d'ailleurs reconnaissants, parce qu'ils considèrent que nous avons fait notre travail. On n'est pas d'accord sur la réforme des retraites. Non mais l'Assemblée nationale, c'était un petit peu Bernardo dans Zorro. Monsieur Olive, j'ai jamais entendu le son de votre voix depuis que vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Je suis ravi de l'entendre ici. Mais on a défendu 267 amendements. Je peux vous faire la liste. Notre projet, vous le connaissez, vous l'avez combattu pendant les élections présidentielles en disant que le projet de Marine Le Pen n'était pas viable. Donc ne nous dites pas que nous n'avons pas de projet. Tout le monde connaît notre projet. Voilà. Donc nous l'avons défendu. On est contre votre projet. Voilà. Donc vous n'avez pas été élu notamment pour ça. On a un projet. On l'a défendu. Nous n'avons pas été élus. Nous combattons le vôtre. Maintenant, la situation dans laquelle le président de la République a mis le pays, il faut en sortir. Et moi, je crois que la façon la plus simple, c'est peut-être de retravailler un texte et de le proposer au référendum, à l'avis des Français. C'est ce qu'il y a de plus simple.
Je suis un tout petit peu étonnée à vous écouter, parce qu'on a l'impression que ce que vous dites, c'est la rue qui doit gouverner, c'est la rue qui a raison. C'est ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'il y a des milliers de Français, ce qui est vrai, dans la rue. Il y a une opinion publique, c'est vrai, qui est majoritairement contre ce texte. Et vous nous dites, donc, il faut le retirer. C'est pas comme ça que j'avais imaginé la manière... Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, si vous me le permettez, Madame Nataf. J'ai dit que cette loi n'avait pas de légitimité politique parce qu'il y a une majorité de Français, ce que vous appelez la rue, qui la refuse, mais il n'y a pas de majorité à l'Assemblée puisque nous n'avons pas voté sur ce texte. Et pourquoi nous n'avons pas voté sur ce texte? Parce qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée, sinon Mme Borne l'aurait soumis aux voix. Donc il n'y a pas de légitimité politique à ce texte. Donc ce n'est pas uniquement la rue, ce sont aussi les représentants du peuple qui majoritairement ne soutiennent pas ce texte.